voilà aujourd'hui Aya Robert qui s'exprime sur cette histoire des macas. Histoire de la maca, des blogueurs et puis TikTokers, influenceurs. Après tout, bon, c'est une information que je vous donne que Chacha a été libérée. Mais il y a eu un très long discours, spécialement avec Sylvia. Vous avez suivi ici chez nous, chez Elios 13, avec Sylvia, comme elle a tout décortiqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Chacha, son entrée, ou bien Élie de Dieu, est-ce qu'elles ont raison ou elles ont tort? Aya Robert va nous décortiquer. Aya Robert va nous dire cette histoire. Parce que les gens comme Aya Robert, le général, il y a plein de gens qui ont commencé sur Facebook avant que TikTok naisse. Les gens-là étaient d'abord sur Facebook. Ils faisaient des lives sur Facebook. Ils se conversaient avec on appelle quoi? Leurs abonnés, voilà. Avec leurs abonnés sur Facebook. C'était comment? C'était comment? Aya Robert, en fait, elle a fait sortir ce qui était lourd dans son cœur. Malgré tout que oui, aujourd'hui, il y a eu beaucoup des anarchistes, surtout sur Facebook. Seigneur, moi, je vous dis que sur Facebook, là, il y a plein des anarchistes sur Facebook. N'essayez même pas, ne donnez même pas chance à une personne sur Facebook parce qu'il y a plein des anarchistes sur Facebook. Alors, mais pendant qu'ils étaient là-bas, le Aya Robert, le général Camille Makoso, il y avait Maman Cathy, il y avait plein de gens et Maman Carla était là, Maman de Carla était là aussi sur Facebook. Donc, Aya Robert, c'est parmi les gens qui peuvent nous rencontrer très bien. Elle va nous dire très bien c'était quoi là-bas et sur TikTok. Quand moi, je suis sortie, quand les grands corbeaux étaient sortis pour dire que non, il y a de la haine sur TikTok, il y a de la sorcellerie sur TikTok, à partir de l'histoire de MMK, c'était éteint. Après plusieurs mois, que les grands corbeaux étaient sortis, c'est pour dire que non, pourquoi elle s'est restreinte? Pourquoi elle ne fait plus de live? Pourquoi elle ne vient plus dans le live là où elle allait auparavant? Elle a dit que il y a la vidéo ici, non? Il y a la vidéo ici chez nous, chez Lyos 13. Si vous voulez vérifier, il y a la vidéo ici. Là où elle a tout dit. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Maintenant, c'est Aya Robert aujourd'hui qui va nous expliquer. On va suivre cette vidéo tous ensemble. Vous, eux, nous. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe. On vous envoie vos salutations, mais comme on dit toujours, une très spéciale salutation qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco, hein? Sans oublier vous, le gens le plus méchant de la terre, les guetteurs. Ah, guetteurs, c'est Dieu vous voit. Ouais, c'est moi qui dis ça, Dieu vous voit. Sans oublier aussi de saluer les gens qui sont ici pour leur toute première fois. On vous envoie aussi vos salutations. En tout cas, faites-vous abonner à partir de maintenant chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page. Partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Ici on ne prend pas de part. On n'insulte pas pour votre information. Suivant toute la vidéo, on se retrouve tous ensemble. Qu'à la fin de cette vidéo pour les analyses d'Elios 13. Sur Snap, Snap n'est plus chic. Vous connaissez? Est-ce que quelqu'un va venir faire quelque chose sur TikTok ici? Quand il commence Snap, chic à faire. Quand il sort, venez, venez. On dort sur Snap, c'est chic. On renchérit, c'est chic. Il met les trucs d'ambiance, on rit. Tu te sens, tu fais ton béret bien, tu donnes ton avis, tu t'es endormi. Il n'y a pas à faire, on vient te pousser pour aller te mettre en prison. Qui te connaît? Je suis venue sur Facebook, même chose. J'ai vu que tout bavardage, la paix, c'est des haines inutiles. C'est les mêmes têtes qui créent la haine, là, sont eux. Hein. C'est les mêmes têtes qui créent la haine, là, sont eux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Regardez, c'est les mêmes personnes. Moi, il y avait même Bonny là, ici. Il y avait même groupe. Avant, je montais sur les panels pour aller dans chez nous. C'est que c'est bon qui a commencé ça. Je suis la première blogueuse à monter sur les panels. C'est après que tous les macos sont là, montés sur les panels. Comme je suis venue monter sur tous les panels pour enchérir. Quand ils montent là, avant, quand j'arrive, quand je suis un panel, on me donne le respect. Aya Robert, Aya Robert, Facebook, Aya Robert me donnait le respect.
J'avais un groupe de filles bien qui faisaient leur béret tranquille. On était en béret. Quand il y a un béret, on sort en chérie, les gens montent. Après, je me suis pris la tête à mon ex-copine là. C'était chic, mais c'était pas bon. Je veux pas dire que c'était pas. Parce que mine de rien, à travers ça, elle est devenue quelqu'un aujourd'hui. D'accord? Mais first class monte, ils renchérissent. Elle aussi, c'était de bons trucs. De bons. Il n'y avait pas à faire de prison, il n'y avait pas à faire de remettre la haine. Chacun faisait son truc. C'est de parler à la dernière quelqu'un. C'était chic. On n'avait pas de haine. Quand on se clash, même les gens écrivent, vous là, vous allez vous réconcilier, mais allez vous réconcilier. Tant. C'est pas qu'il y avait les enfants dedans, c'était pas à côté enfant là, mais après on a compris. Mais c'est un truc, mais regarde comment ils ont fait TikTok là pour vous donner. Ils ont fait TikTok là, nyanga, nyanga, comme ça. Tu vas maintenant, Maka, tu sors ici, sors, tu sors la fétiche. TikTok est devenu du gros n'importe quoi. Heureusement que vous avez Bagnon et Taoula Clamont où vous pouvez vous épanouir, n'est-ce pas? Parce que j'ai vu ça venir de loin, j'ai dit, attends, je crée l'émission. Au moins, si vous n'avez pas envie d'aller vivre la haine, là, vous venez ici, on a le cardio. Parce que là où moi je suis, là, il y a la joie. Donc là, au moins ici, là, vous pourrez vous épanouir et puis vous allez partir dormir, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est quoi? C'est les mêmes têtes, là, de sorcellerie de Facebook, là. C'est les mêmes choses, là, qui sont venues ici. On peut apporter la haine. La haine peut vous suivre comme ça partout. Gâtez TikTok, non, sur TikTok de Béret, là. Avant quand il lance son panel comme ça là, 3000, 2000 personnes, les gens, les personnalités, les députés, les maires, les personnalités montaient sur mon panel pour en chérie. Senti aussi lançait son panel là-bas. Elle recevait des personnalités. Les gens, quand ils font leur parler, les personnalités, entre eux, quand ils font leur parler, les stars là, ils venaient sur nos panels pour en chérie. On recevait des personnalités. Maintenant, quelle personnalité qui a monté sur vos panels? À part les djonglo djonglo. Parce que c'est devenu la haine. C'est devenu, on se met en prison, on fait ceci, on fait cela. C'est devenu du n'importe quoi. Des vieilles femmes comme ça. TikTok des enfants là. Vous avez chargé ça pour donner quelque chose d'autre. Même mes clashs et les macos sur TikTok ici là. C'est vrai qu'il y avait les enfants, mais quand même là, il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de haine. On a fait les clashs comme par exemple les Américains font là. Il n'y avait pas de haine. Voilà, macos et moi ici. Il y a Bilolo voté la dernière fois, jouer, il s'est donné un cadeau. C'est passé, mais la fête, là, il m'a demandé pardon. Bon, moi, je n'ai pas pu lui présenter mes excuses, mais mon cher, la vie continue. Et puis, la vie avance. Vous êtes venus vous asseoir sur TikTok, si gâtez mon nom. Aïe, ah, yeah, c'est si. Elle est mendiante. Vous-même, pour finir, vous êtes devenus mendiants. Vous êtes devenus des mendiants. Parce que si vous avez une bonne vie, ce n'est pas sur TikTok que vous allez faire ton anniversaire. Quand tu as bonne vie, là. Et que ta vie est saine, viens vous mettre au travail. Vous savez que c'est moi qui vous donne le travail, allumez la télé. Mais quand on vous allume, vous ne répondez pas, c'est moi vous attendez pour une chose, c'est moi, c'est votre patron. Tant qu'il n'aimait pas le travail, il vous est mis au chômage. Donc là, il y a l'hume. Sortez pour vociférer. Mais personne ne vous considère. Oui, il faut que la patronne que je suis vous donne du boulot. Et mon boulot, là, vous savez que ce n'est pas le boulot de haine. Au moins, vous allez renchérir un peu, les gens vont monter pour m'insulter un peu. Parce qu'il y a des gens dans les commentaires qui ont besoin de m'insulter. Mes pommettes, depuis quelques jours, vous n'insultez pas mes pommettes. Ça a maigri. Il faut que vous insultez ça un peu. Mon nez même, depuis que vous avez arrêté d'insulter mon nez là, mon nez est devenu un peu long. Insulter ça, ça a devenu un peu plat. Et là, ma bouche commence à diminuer, il n'est pas aimé. Il faut récupérer ma bouche. On peut transférer la haine comme ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est quoi ça? Elles sont vieilles, vieilles, quand elles renchérissent dans la haine. Faut les voir quand tu t'enlèves les perruques là. Mais quand vous renchérissez aussi les perruques là, vous savez pas. Tu les vois en train de renchérir. Je veux renchérir. Je suis jamais montée sur un panel, c'est ma première fois, mais aujourd'hui là, je vais monter pour renchérir. Quand tu cliques sur tes profils là, tu t'en vas vers la perruque. Mais comment écrire mes rêves la perruque?
Il y a des dix comme ça. C'est quoi? C'est Kojo ou bien? Vous portez les Kojo pour vous promener, Adama. Ma je suis fait quoi ici qui me passe? Oh. C'est pas bon. Franchement, vous êtes des vieilles femmes. Vous êtes des grandes femmes. Faut arrêter. C'est fatigant. Arrêtez, arrêtez. C'est fatigant. Et puis là où vous avez envoyé TikTok la même nuit qu'à la maca. Vous faites faux. Vous avez envoyé TikTok à la maca. Renchérissage de TikTok fait dépérir les gens à la maca. Vous faites faux, hein. Ah, c'est dosé. Capture, bonsoir, ma belle. Tu vas bien, ma communiste qui manage. Capture. Bonsoir, la poutine. Oui, bonsoir, la poutine. Ça va très bien, et toi? Tu as un enregistreur pour aller te voir là-bas, non? Hein? Ton mot dit, hein? Tu attends les capturer. Capture qui capture. Aya, quand tu mets des vidéos où on t'insulte, me dit, elle fait son travail là dans le game. Non. Moi, j'ai appelé Capture pour deux choses. Une vidéo, une photo de Pitchounette qu'elle avait repostée, c'était mal. Voilà. Elle a supprimé. Puis un truc de. Bon. Bref, ma reine et tout ça. Sinon, si c'est moi là, elle n'a qu'à capturer ce qu'elle va déposer. Moi. C'est pour ça que c'est la différence. Moi, je suis une Américaine dans la tête. Moi, vous êtes que je suis de Miami. Moi, je suis une Américaine dans la tête. C'est vrai que je suis quelque part, hein. Mais le pays même où je vais aller m'installer là, c'est à Londres. Ou bien, je suis une anglophone, en fait. Même pas Américaine, une anglophone. Parce que Américaine, non. Moi, je suis anglaise. C'est Marie de Londres. Je suis anglaise. Pour moi, il ne regarde pas ça. Moi, tant que la personne lui-même n'a pas manqué de respect, je ne trouve pas d'inconvénient, ça ne me dérange pas. J'ai mes personnes même qui postent les gens. Vous voyez, les first class même repostent les photos des vidéos des gens avec qui j'ai problème. Ça ne m'a jamais dérangé. Parce qu'elles cherchent leurs abonnés. Elles se cherchent. Moi, ce n'est pas ça qui me dérange. C'est le manque de respect. La personne me manque de respect directement. Mais tant que... Ou tant que les gens ne permettent pas, elles ne permettent pas à ce que les gens m'insultent, tu les trucs. Moi, ça me. Inès, merci beaucoup, ma belle. Je suis une anglophone. Moi, j'ai fait des hautes études en anglais. Je suis une anglophone. Je suis free. Je ne coince pas la vie des. Les gens sont avec moi que je vais les museler. Non, je ne muselle. Mais attends, ça, c'est quel manque de respect, ça communique, manager. La Pibi, franchement, je pense que je vais te licencier. Parce que je suis en train de parler, je suis en grand. Tu m'enlèves et tu mets un genre, tu veux travailler. Je pense que il faut que je te licencie parce que aucun respect. Hein? Tu m'enlèves en grand pourquoi? Non mais je fais ta lettre, hein. C'est mieux, c'est bon. Parce que ton travail, même quelqu'un a déjà pris ça sur TikTok. Donc franchement, tu je te licencie à partir de demain. Aucun respect. Aucun respect pour moi. Cette dame, elle n'a pas de respect pour moi. Jean, elle dit, Aya, tu parles trop, t'es gbéré, là, faut quitter sur le panel ici, là, c'est le panel des bagnottes, alors que là, nous, on veut travailler. T'es histoire de faire gbéré dans le travail, on n'aime pas. C'est ce qu'elle veut me dire. Mais elle veut me dire ça, mais elle peut pas me dire. Donc, elle m'enlève en grand pour déposer, pour dire qu'on doit travailler maintenant. C'est en train de renchérir de là, ça finit pas. Il est 22h, on doit travailler. Ça, c'est un grand manque de respect devant Dieu, devant les hommes, même devant qui, tu m'as manqué de respect. Ce qu'on va faire, c'est que. Il faut que je te licencie, d'accord? Voilà, à partir de ce soir, tu es au chômage. Mais bon, comme le travail nous appelle, on va travailler. La PV n'a aucun respect pour moi, je vous dis ça. Hein? Si ce n'est pas pour m'accéder au téléphone, ça peut me faire les choses comme ça devant vous. Ok, bon, c'est bon, on va travailler. Il a dit que d'accord. Il a dit qu'arrête de blé, fais travailler. Ok. Si ce n'est pas pour me jeter, j'étais sur un panel. Il faut que je vous explique. J'étais sur un panel la dernière fois. Ma maman a mis, il faut faire n'importe comment tu vas, nos stress, nos blabla, maman chérie de mon. Maman chérie d'amour. J'étais sur un live, le live d'influenceur. Un coup, je me retrouve à terre. Un coup, je me retrouve à terre. Ils m'ont manqué de respect, mais je me fais descendre. Je demande qui m'a descendu. On dit que c'est Marine qui m'a descendu.
C'est-à-dire que dans moi-même, mon propre royaume, je suis même pas respectée dans le royaume. Donc, je pense que je vais déménager du royaume. Je vais aller laisser le royaume et puis je vais aller prendre je vais aller dans la tribu de Kilou. Donc voilà, et Kilou aussi, je vais aller vers les fans de Kilou, là-bas, ils vont me respecter. Parce qu'aucun respect pour moi, ces personnes-là, ils ne me respectent pas. Tu as vu, non, Josiane, comment ils m'ont jeté? J'étais dans un supermarché, il est glissé, je suis tombé. Mon pantalon s'est déchiré sur moi. Aucun respect pour moi. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos chéris coco. Bon retour aussi à vous, le guetteur, et à vous aussi qui êtes ici pour votre toute première fois. Cela veut dire quoi? Vous nous avez apprise à partir de cette vidéo ici. Donc, vous êtes nouveau ici. Vous avez découvert Helios 13 à partir de cette vidéo ici. Faites-vous abonner d'abord. Cliquez sur la cloche des notifications. Aimez la page, partagez et surtout, commentez nos vidéos très gentiment car ici, on est très gentil. Ici, on ne prend pas de part, on n'insulte pas. Voilà. Donc, ça vous donne beaucoup de raisons pour vous faire abonner si vous êtes une bonne personne. Alors maintenant, aux analyses d'Helios 13 concernant cette vidéo de Aya Robert qu'on vient d'écouter. Vous avez suivi, vous avez écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit quoi encore le français au oh? Qu'est-ce qui s'est passé au Facebook, hein? On dit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur Facebook, hein? Français. Voyez comme ma langue est tricotée contre moi-même. Voyez comme ma propre langue veut se blesser pour vous. Et vous allez sortir sans vous faire abonner. Vous êtes méchant. Osez de faire ça. Et c'est Dieu qui vous voit. Donc, rentrons sur notre sujet de Aya Robert. Voilà. Guetteur, voyez, hein? Elle a expliqué, vous avez écouté, elle a expliqué très bien, clairement expliqué comment c'était sur Facebook. Donc, il n'y avait pas des arrêts. Il n'y avait pas que non, toi et moi, on est sur un sujet là, et puis, on arrête, on vient t'arrêter. Il y a eu plein de gens, il y a eu Obso qui s'est fait arrêter, il y a eu Élie de Dieu. Les cas d'Élie de Dieu, moi, j'ai mis ça à côté, et puis les cas de Chacha, j'ai mis ça à côté, je vais vous dire pourquoi après. Il y a eu, qui encore qui s'est fait arrêter? Il y avait Love Gigi qui s'est fait arrêter, il y avait qui encore là? Il y avait Infalsifiable, il y avait, je ne sais pas, il y a plusieurs là, qui se font arrêter à cause de leur bouche, à cause des guerres de TikTok, à cause de quoi? À cause des palabres, à cause des panels, et à cause des insultes, ou bien à cause des TikTok seulement, vous voyez. Ils se sont fait arrêter à cause de ça, sur TikTok. Alors que vous avez bien suivi, vous avez bien écouté que Aya Robert a dit, sur Facebook, cette histoire-là d'arrestation, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, les gens discutaient dans des sujets et ils étaient à l'aise. Donc, ils parlaient, vous voyez, par rapport à TikTok. Aujourd'hui, là, c'est pour cela que moi, je vous interdis, vous, nos abonnés, il ne faut même pas oser d'aller sur TikTok, de monter sur le panel des gens, de parler comme si c'est comment. Eh, faut faire trop attention sur ça. Pourquoi? Parce qu'on peut. Il y avait un ami à moi sur TikTok aussi qui s'est fait arrêter. Il s'appelle Yannick. J'ai oublié le surnom là. Il est ivoirien. Il s'est fait arrêter à cause de quoi? Il renchérit ça dans un sujet là. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui est entré dedans. Je sais pas écouter. Et on a arrêté Yannick. Voyez. À cause des renchérissements sur le panel. Alors, il faut faire trop attention quand vous allez sur TikTok-là. Moi, je vous conseille que non. Il ne faut pas aller sur TikTok. Ne partez même pas là-bas. Si vous allez là-bas, peut-être faire le marchandise, acheter vos business et tout. Mais vous mêlez. Moi-même, je vous donne mon exemple à moi. Moi, quand je monte dans des panels-là, je ne monte même pas. Quand je pars dans des lives des gens, je ne monte pas.
Des fois, rarement, je commande. Rarement, je commande. Mais j'ai monté que deux fois. J'ai monté dans les panels de Roro. Et puis, j'ai monté dans les panels de qui encore? C'était qui encore? Je pense même Yannick. Voilà, mon ami là que je vous avais dit là. Le panel de Yannick, c'est la première fois, toute première fois que je monte, c'était dans les panels de Yannick. Et puis, deuxième fois, je suis montée dans les panels de Roro, là où il parlait les histoires de ma bio. C'est là où j'ai monté, c'est tout. C'est tout. Alors, si vous allez sur TikTok, faites trop attention de quel panel vous êtes là, vous appartenez, ou bien de quel panel vous êtes monté et vous parlez, comment vous parlez. Voyez cette histoire de Malouès. Il y avait un panéliste qui a fait son panel, non? Mais il y avait les renchérissements qui étaient là dans la vidéo là que vous avez suivie. Que vous avez suivi. Attendez, je vais vous donner les titres. La vidéo qui vient de passer ici, non? Eh, ma tête là aussi. Oh. Voilà. Très triste pour Emma Louès. La nouvelle sortie de Messe Touré. Allez regarder la vidéo là. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo là, allez regarder cette vidéo ici. Comme ça, vous allez voir. Moi-même, j'ai essayé de recorder. Mais il y avait tellement de renchérissements que mon équipe a pu couper plusieurs parties parce que c'était même les bruits. On n'attendait pas qui parlait, qui dit quoi. Pourquoi? Parce que les Emalov ne voulaient pas que les autres gens disent que Emma Louis a tort, et si c'est là. Et tout a été mélangé. Ça a été du total bruit. Il y avait une dame là qui m'énonçait les autres gens pour avoir parlé d'Emma Louis. Imaginez-vous les histoires comme ça. Alors faites trop attention. J'ai dit les cas de Chacha et puis les cas d'Élie de Dieu, c'est différent. Je mets ça à côté. Pourquoi? Parce que les deux là, ce sont des arnaqueuses. Ce sont les gens qui ont escroqué les gens sur TikTok. Faites attention aussi, même sur TikTok là, il y a plein des arnaqueurs aussi. Donc les arnaqueurs, tout le monde qui était sur Facebook, on quittait Facebook, on commençait maintenant à aller sur TikTok. Quels que soient les blogueurs, les influenceurs, les anarchères y compris. Faites trop attention. Vous voyez, non, la poste là, on cherche pour les travailleurs en Europe. Il faut seulement appuyer sur les liens ici. Faites trop attention. Oh non, moi j'ai fait comme ça, j'aide les gens à voyager et tout. Faites trop attention. Oh non, il faut venir avec cette. Eh, Seigneur, cette histoire même de faire des trading, je ne sais pas en français on dit quoi, hein? En anglais on dit trading, les histoires de forex, les histoires de crypto. Il faut faire trop attention aussi sur ça. Ça, c'est les conseils de Léo 13. Hein? Prenez ça à cœur. Moi, j'ai été dedans plusieurs fois. Je répète que j'étais dedans plusieurs fois. Alors, il n'y a personne qui peut encore m'attraper sur ça, car j'ai passé dans des moments et moments et. Moi, j'étais là, je suis même propre, on m'a lavé. Alors, je vous donne cet avis ici. Prenez ça à cœur, s'il vous plaît. N'essayez même pas. N'essayez pas ce TikTok-là. Non, Forex, faut faire comme ça. Non, tu vas même pas déposer l'argent sur ma compte. Tu vas faire. Non, 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 non. Faut faire trop attention avec les histoires-là sur TikTok. Donc, tout le monde ont quitté Facebook et ils sont partis sur TikTok. Et vous voyez ma langue encore. Sur TikTok. Alors, Chacha, vous avez écouté. C'est pas moi qui ai dit qu'elle est anarchiste. À travers des recherches de Sylvia et c'est donc sa compréhension et les audios qui ont été sortis dehors. Mamie, you're making noise. You're making noise for me. Sorry, maman. Ça c'est mon beau, c'est là où. Désolé. Où. Écoutez. Nous les gens avec les enfants, comprenez-nous s'il vous plaît. Oh, je suis désolée pour ça. Voilà. Donc je disais, Sylvia, vous avez écouté. Et si vous êtes une personne, vous allez vous asseoir, vous allez dire que ouais, Sylvia avait raison dans cette histoire. Et cette histoire d'Élie Dédié, ça a été mélangé, mais après tout, on a compris que non, 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 non. Élie Dédié même, il y a une vidéo ici, ça fait quelques mois, cette histoire d'Élie Dédié, hein. Il y avait une vidéo ici chez nous, chez Elios 13, là où les gens ont amené même sa carte de décès pour dire que non, c'est une personne morte. Donc, Élie de Dieu était déjà morte, mais elle est vivante. Donc, elle a fait quoi? Elle a refait sa carte d'identité en changeant le nom. Hein? Elle a twisté le nom et puis elle a pris l'autre nom et l'a ajouté pour qu'on ne sache pas que c'est elle. Alors, elle a fait une autre carte d'identité. Pourquoi? Pour continuer toujours d'escroquer les gens. Et vous connaissez cette histoire de Chacha?
Et cette histoire de. Mais c'est le monsieur là, c'est les noms de monsieur là, c'est qui encore? Qui est en prison dans cette histoire de Chachala, la vidéo de Sylvia. Non, allez regarder la vidéo de Sylvia. Alors, vous allez voir là-bas qui. Il y a le monsieur, même le. Hein? Ça veut dire quoi? La personne qui travaillait avec Chacha, il est en prison. Hein? Les messieurs dont, qui vendaient les voitures, qui vendaient les voitures là, en prison. Mais que Chacha disait que non, la personne là habite, si c'est en Allemagne, si c'est où là, hein? C'est la personne qui vend de voitures. Alors elle a pris l'argent d'autrui. Vous voyez? Donc, c'est des pires escroqueries. Vous voyez? C'est pour cela que je prends ces cas. Et puis les cas des lits de Dieu, je mets à côté parce que ce sont des cas différentes. Vous voyez? Donc, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Donc, on a écouté le chagrin de Aya Robert venant sur Facebook. Oui, Facebook existe encore, mais c'est plus comme c'était auparavant. Hein? Plus surtout, les gens sont versés sur TikTok. C'est TikTok qui ont top maintenant. Et YouTube aussi. Mais aussi YouTube ici, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de panel là où tu vas monter. Non, on fait les lives maintenant. Moi, je vous invite et tout et tout. Je n'ai jamais fait de live, mais je vous promets de voyager avec vos esprits l'année prochaine. On va marcher sur Cape Town ici, là. Hein? Je vais vous prendre avec moi. Là où vous êtes, là, vous allez partir avec moi. Oui, on va faire des lives. À Cape Town. Maman, please. Hein? À Cape Town, on va marcher. Ça, je vous promets, l'année prochaine, là, on va commencer à marcher. Vous et moi. Oui, le live même, là. Comme ça. Donc, ici, c'est un peu différent. Comme je disais, c'est un peu différent. Donc, ici, il n'y a pas de panel que non, les gens peuvent monter. Sinon, ça allait être encore dégâts aussi, comme sur TikTok. Vous voyez? Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici. Merci spécialement à nos abonnés, à nous. C'est là où on vide nos sacs de remerciements qu'à nos abonnés, à nous. Merci beaucoup aussi aux guetteurs. Malgré tout, vous êtes les gens les plus méchants de la Terre, mais quand même, on vous remercie. Merci aussi à vous, le nouveau venu qui êtes ici. Comme on vous avait dit toujours, de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification. D'aimer la page, tous ensemble, les nouveaux anciens abonnés, même si vous êtes guetteurs, aimez la page, partagez pour que les autres écoutent qu'est-ce qui se passe ici. Et aussi, commentez nos vidéos très gentiment. Ici, on n'insulte personne, on ne prend pas part de quelqu'un ici. Alors, ça vous donne plusieurs raisons de vous faire abonner ici chez nous si vous êtes une bonne personne comme nous-mêmes et nos abonnés, car ici, on n'insulte pas. Alors, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Pour l'instant, on dit bye-bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.